Salut à tous et soyez les bienvenus! Sejam bem-vindos neste vídeo, que será um vídeo 100% em francês, fora essa introduçãozinha, em que eu vou te contar sobre o nascimento do meu filho. Por quê? Porque será uma grande oportunidade para você ouvir francês, treinar o seu entendimento e, é claro, descobrir vocabulário sobre maternidade e sobre os primeiros dias de um bebê. En français, bien sûr. Se você está começando do absoluto zero, aproveite, feche seus olhos, escute várias vezes para você ir se habituando com os sons do francês. Quanto mais você ouvir, mais fácil, mais rápido e mais consistente será o seu aprendizado no francês. Agora, se você já deu seus primeiros passos, foque naquilo que você entende. Busque entender palavras que você não entendia ou palavras que você reconhece, estruturas de frase que você reconhece, sem ficar morrendo de medo porque você não entendeu alguma coisa. O foco é no contexto. Et on y va. Alors, on y va? Vamos lá? Eu vou te contar o nascimento do Théo. La naissance de Théo. Si vous ne savez pas, Théo, c'est mon fils. Il a 1 an et demi. Il est né le 12 avril 1980. 1980, tô louca! Il est né le 12 avril 2019. Il est né le 12 avril 2019. C'était un vendredi. J'étais enceinte de 39 semaines. Pile poil 39 semaines, exactement 39 semaines. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, je suis un peu accro au travail. Et je pensais que mon fils allait naître à 40 semaines. Donc, j'avais un cours à donner. Les 3 jours antérieurs, je venais de déménager. J'habitais au 10e étage d'un immeuble et j'ai déménagé dans le même immeuble. Je suis allée habiter dans un appartement dans le 11e étage. Donc, ce n'était pas un déménagement très, très grand, mais à chaque fois qu'on déménage, il y a des cartons, il y a des choses à porter, etc. On m'avait dit, toi, tu ne portes rien. Mais moi, têtu comme je le suis, j'avais quand même porté quelques vêtements, tous mes vêtements, d'un étage à l'autre, en montant les escaliers au moins 10, 12 fois. 3 jours plus tard, vendredi donc, 12 avril 2019, à 7h du matin, je me réveille, je vais aux toilettes et je sens qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre. J'avais mal dormi, j'avais mal au dos et je me suis dit, je pense que je suis juste fatiguée, j'ai un cours à 9h du matin, allez Elisa, on y va. Mais j'ai senti que quand même, j'avais fait pipi sur moi-même. Je pensais que c'était quand même bizarre ce pipi. C'est alors que j'ai dit à Paolo, Paolo, je pense que j'ai perdu mes os. Mais Paolo, comme tous les jours j'avais l'impression que le bébé allait naître, il m'a dit, oh, mais c'est rien. Tu sais que tous les jours tu as l'impression qu'il va naître. Mais là, je lui ai dit, non, 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 vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Et tout d'un coup, les contractions ont commencé. J'avais mal, j'arrivais pas à être debout, je devais me mettre accroupie. Vous savez ce que c'est accroupie? Donc je devais être accroupie. Mais il y en avait un problème, c'est que la mère de Paolo était à la maison. Et moi, j'avais pas très envie d'avoir un bébé avec elle là à côté. J'ai donc dit à Paolo, puisqu'on n'a pas internet à la maison et que je dois faire un cours en ligne à 9h du matin, je vais chez ma mère. Lui, il est venu avec moi et moi, folle comme je le suis, j'ai pris une petite balle dans les mains et j'ai fait tout le cours pendant 1 heure. J'ai posé des questions aux élèves, j'ai écouté ce qu'ils me disaient, j'ai corrigé, etc. Sauf qu'à chaque fois qu'une contraction venait, j'appuyais fort, 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 fort sur cette balle pour que la douleur passe. Une fois que le cours est terminé, j'ai appelé mon médecin. Je lui ai dit, je pense que je vais avoir Théo là. Elle m'a dit, mets-toi sous la douche pour que tes muscles relaxent, enfin pour que tu sois un peu plus calme et viens dans la clinique dans 1 demi-heure. Moi, je ne sais pas combien de temps je suis restée sous la douche. Peut-être 1 heure, je ne sais pas. Paolo a mis super longtemps pour aller chercher notre valise à la maison. Et quand je suis arrivée chez le médecin, j'avais hyper mal. Je ne sais pas si vous êtes maman, mais moi, j'avais hyper mal. J'avais beaucoup de douleurs, des contractions. Et elle m'a dit, non, non, tu vas directement à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, tout le processus, bon, ça a pris pas mal de temps. Je suis arrivée à l'hôpital à 1 heure de l'après-midi. Et Théo est né à 7h du soir. Qu'est-ce que j'ai fait à 11h du soir? J'étais là à envoyer des mails. Et oui, Elisa est un peu folle, mais je vais vous dire la vérité, c'est un des jours les plus heureux de ma vie. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et que vous avez appris un peu de vocabulaire. Si você gostou e aprendeu vocabulário com esse vídeo, deixe já o seu curtiu.
Coloca aqui que você gostou do vídeo, aperta o botãozinho e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau.